Bienvenue sur Téléafrique. Nous sommes à Toumodi. Je suis Dadou Henri Joël Zama et Téléafrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo d'une opportunité exceptionnelle. Nous sommes à Toumodi et là, on va vous présenter deux terrains collés en bordure de goudron et surtout dans deux carrefours. Ça veut dire quoi? Les deux terrains non seulement sont collés, mais ça se situe, chaque terrain se situe à un carrefour, à un angle de rue. Il y a un terrain qui est carrément en bordure de cette voie-là que vous voyez. C'est la voie principale de Toumodi. Donc, dans cette vidéo, nous allons traverser carrément la ville de Toumodi. Pour éviter de poser plusieurs questions, prenez le temps de bien regarder la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, regardez bien la vidéo. Vous voyez tout en image, on n'a rien coupé. Donc, vous voyez le trajet depuis le centre-ville. Pour ceux qui connaissent Toumodi, on a commencé depuis l'entrée, c'est-à-dire depuis l'échangeur, il y a une nouvelle station qui est là maintenant. On traverse la ville, le marché, tout. Et on va sur le site. C'est une opportunité exceptionnelle. Deux terrains collés, 600 mètres carrés, ça fait 1200 mètres carrés. Il y a déjà un terrain de 600 mètres carrés qui est construit. Ils ont fait un hôtel. Voilà, il y a un hôtel qui est déjà construit, un hôtel de 3 bâtiments qui est déjà construit sur le terrain de 600 mètres carrés. C'est-à-dire le gros œuvre est déjà fait. Donc, ça manque la toiture et les finitions pour mettre l'hôtel en exploitation. Et il y a un autre terrain nu qui est collé à ce terrain-là, mais qui est par contre, lui, situé sur la voie bitumée, la voie principale qui va à Dimbokro. Voilà. Donc, ces deux terrains sont mis en vente séparément. Donc, pour le bâtiment, pour le terrain de 600 mètres carrés qui abrite l'hôtel, ce terrain est vendu à 35 millions de francs CFA. 35 millions de francs CFA. Le terrain de 600 mètres carrés plus l'hôtel dessus. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Vous regardez jusqu'à la fin. Il y a même le drone qui a été utilisé pour que vous localisez facilement ces deux terrains-là. Et on a filmé aussi le bâtiment, c'est-à-dire l'hôtel, le gros œuvre. L'hôtel qui est bâti sur le terrain de 600 mètres carrés. Et le terrain nu, qui est en bordure de goudron, est vendu par contre, lui, à 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA pour le terrain nu. Et pour le terrain qui est déjà bâti, où il y a l'hôtel, et le terrain et l'hôtel, l'ensemble est vendu à 35 millions de francs CFA. Vous pouvez acheter un et laisser l'autre. Les deux terrains sont situés dans des angles de rue. Vous pouvez acheter les deux ensemble. Par exemple, le terrain qui est situé au goudron, à l'angle, vous pouvez l'utiliser pour construire une station d'essence. Ou bien, vous achetez les deux et puis le terrain nu, vous faites une piscine avec l'espace de jeu pour des enfants, c'est-à-dire manège et tout ça. Et puis un parking, voilà, pour les gens de l'hôtel. Vous pouvez même modifier l'hôtel, ça dépend de votre poche. Le plan, c'est un hôtel, c'est des maisons basses. Mais si vous avez l'argent, vous pouvez voir des ingénieurs qui vont vous faire des piliers, des poteaux, modifier tout le plan pour faire un hôtel en hauteur. Donc, tout dépend de votre budget. Nous sommes au centre-ville de Toumodi. Ça, c'est le marché traditionnel de Toumodi. Cette voie est en rénovation, mais déjà au niveau du site, c'est déjà fait. C'est-à-dire, c'est de là-bas qu'ils ont commencé pour venir. Donc, de l'autre côté où nous partons, là, vous allez trouver que le bitume, la voie a été déjà rénovée là-bas. Et ça vient vers l'autoroute, vers le centre-ville, au marché où nous sommes ici. Tous ceux qui sont au bord ici, là, ils vont tout dégager pour élargir la voie. Les travaux ont déjà commencé. Du côté des terrains où nous partons, les travaux sont presque terminés là-bas. Parce que la voie a été élargie. Donc, vous allez voir tout ça. Nous sommes à Toumodi, je répète. Le terrain bâti avec les 3 bâtiments pour l'hôtel, c'est 35 millions de francs CFA. Et puis, le terrain nu est à 10 millions de francs CFA. Ça veut dire que les deux vont vous faire 35 millions plus 10 millions. Ça vous fait 45 millions de francs CFA. Vous regardez la vidéo, vous avez le numéro de Téléafrique Group qui est affiché. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous appelez directement, vous venez à Toumodi, on va à la construction, vous vérifiez tout, vous visitez le terrain, vous visitez l'hôtel, vous avez l'argent, vous prenez votre notaire de votre choix. C'est vous qui allez payer les frais de notaire, puisque vous allez payer 7% et puis le vendeur va payer 3%. Donc, vous prenez votre notaire ou bien votre huissier,
Parce que sur les deux terrains, c'est l'ACD, le propriétaire a déjà engagé l'ACD, mais qui n'est pas encore arrivé loin. Quand c'est comme ça, il peut abandonner ses droits. Et là, vous prenez un huissier pour recommencer tout le dossier à votre nom. C'est encore plus rapide. Et je pense que c'est la meilleure solution que d'attendre l'ACD de l'autre. Et puis, vous ne savez pas combien de temps ça peut prendre. Donc, c'est mieux que vous preniez un huissier, comme c'est un site qui est approuvé. Et puis, vous allez, l'huissier va faire votre compulsoire, écrire votre nom dans les guides au niveau du ministère de la Construction. Vous faites votre nouveau dossier technique. Et puis, l'autre, il abandonne ses droits. Et vous, vous lancez directement votre ACD sur les deux terrains. Voilà. Donc, nous sommes à Toumaudi. Ça, c'est le stade. À droite, vous avez le stade que vous voyez là. Et nous sommes en train de partir sur le terrain. Nous sommes déjà presque arrivés sur le terrain. Ça, c'est la grande voie qui va à Dimbokro, Bokanda, Daoukro. Jusqu'à même, ça sort à Bengourou. Allez, c'est une voie internationale. Ça va jusqu'au Ghana. Voilà. Donc, c'est deux terrains super bien situés. Je vais même faire une capture de l'écran. Du plan pour que vous voyez, je vais entourer ces deux terrains là. À la fin de la vidéo, je vais faire une capture et puis vous allez voir. Donc ici, vous avez une vue aérienne. Nous sommes sur le terrain même. Ça, c'est en face du site. Vous avez un grand promoteur immobilier qui est là. Ils sont en train de faire des villas. Et ça, c'est l'hôtel. Ça fait 20 chambres. Voilà, c'est une vue aérienne de l'hôtel que vous voyez. Ça, c'est le premier terrain. C'est bâti sur un terrain de 600 mètres carrés. Donc, vous avez trois bâtiments. Ça reste juste à mettre la toiture. Et puis, voilà, faire les finitions, les crépissages, le carrelage, l'électricité, tout ça. Et puis, vous exploitez votre terrain. Voilà. Donc, si vous n'avez pas assez de moyens que vous avez acheté, vous pouvez d'abord finir un bâtiment, vous exploiter. Et puis, au fur et à mesure, mais comme c'est un hôtel, c'est pas trop joli que... Au moment où il y a les gens, il y a encore les travaux, c'est un peu gênant. Donc, vous allez serrer un peu la ceinture. Vous pouvez vous associer. Voilà, vous associez 3, 4, 5 personnes. Et puis, vous mettez l'argent ensemble. Vous achetez, vous terminez les travaux. Et puis, vous exploitez votre hôtel. Donc, vous voyez le goudron qui est là. Et tout ce que vous voyez là, un peu touffu, en face de l'hôtel, c'est le terrain vierge. C'est des arbres qu'ils ont plantés. Et on utilise cet espace-là comme un espace événementiel. C'est au Zouglou de Toumaudi, en fait. Voilà, donc c'est comme un maquis ouvert pour le moment. Voilà, que les gens utilisent comme au Zouglou, comme un resto maquis, quoi. Voilà, donc c'est le terrain. Les arbres que vous voyez juste en face de l'hôtel, là, des bâtiments, là, c'est l'espace, c'est un terrain vierge de 600 mètres carrés. Donc c'est un carrefour aussi. Dans une vidéo, sur le terrain même, à part le drone, ça c'est pour juste avoir une vue aérienne, pour avoir une idée, hein. Du site, une localisation du site. Et voilà, mais dans une vidéo détaillée, dans cette même vidéo là, tout de suite là, vous allez voir, je vous donne tous les détails étant présent sur le terrain. Et ici, en face de nous, c'est une voie. Ici, ça c'est une rue. Donc de là jusqu'à la clôture que vous voyez, c'est une rue normalement. Et là, pardonnez, je ne vais pas vous mettre dedans. Et ça, normalement où les gens là sont assis, je mets ma main, ça sort directement au goudron. C'est une voie qui n'est pas encore pratiquée. Donc ça, c'est une rue. Même le bâtiment que vous voyez, ça est sur une rue. Parce que ce premier terrain est dans un carrefour et derrière, c'est le goudron. Donc ça, c'est au bord du goudron. Et ici, c'est une grande voie qui rentre dans le quartier. Voilà. Donc ça, c'est les murs de l'hôtel que vous voyez. Qui forme en même temps la clôture, parce que derrière ici, c'est la rue. Tout ici, nous sommes sur la rue. Là-bas, c'est un autre terrain. Et là encore, c'est dans un carrefour. Ce qu'on appelle les angles de rue. Voilà. Ici, même les arbres que vous voyez là, c'est sur la route. C'est parce que c'est pas pratiqué. Ça, c'est une grande voie qui est parallèle au goudron qui est là-bas, là où il y a le gros camion. Donc ici, c'est un carrefour encore. Et là, c'est un autre mur de l'hôtel. Donc, puisque le propriétaire qui construisait, il avait prévu faire une piscine de l'autre côté avec de beaux jardins, un parking. Il avait de toute façon prévu deux entrées ici, mais pour le moment, on a fermé pour ne pas que les gens puissent s'intruire sur le chantier, sur son chantier. Donc là, ça, c'est deux portillons aussi. Voilà, vous voyez déjà, les pions sont déjà tirés. C'est pour mettre la toiture.
Donc, il y a deux options. Soit vous payez uniquement, vous achetez uniquement l'hôtel. Le prix, ça est dans la vidéo. Donc, soit vous achetez seul l'hôtel. C'est 1, 2, 3, c'est 3 bâtiments. De 1, 2. On va rentrer à l'intérieur. On va vous montrer les chambres. Vous allez voir. Donc, c'est un terrain de 600 mètres carrés. Là, cette clôture-là, le mur, ça fait 30 mètres. Et l'autre côté, ça fait 20 mètres. Et le deuxième terrain, lui, il est pratiquement nu. Parce que tout ce qui est construit dessus, là, c'est sur l'espace public. Ça ne touche pratiquement pas le terrain. C'est le deuxième terrain qui est nu ici, là où les gens sont assis. Là. Voilà, tous ces arbres que vous voyez, c'est sur une voie. Donc ça, c'est le terrain qui est vierge. C'est celui qui est collé carrément au bitume. C'est moi qui est stationné de l'autre côté. Voilà, donc ici, ça, c'est l'espace de l'hôtel aussi. On va vous montrer les chambres, comment ça se... le plan. Donc ici, vous avez un grand couloir. L'autre côté aussi, vous avez un grand couloir. Vous avez un bâtiment qui est au milieu. Vous avez un autre bâtiment. Ça fait 3 bâtiments. Donc voici un exemple. C'est des grandes chambres. Voilà, tout est déjà fait. Voilà. Et ici, c'est pour les toilettes qui vont monter. Là-bas, vous avez une fenêtre. Là-bas, fenêtre de toilettes. Ça, c'est une très grande chambre. Voilà. Donc, c'est comme ça que les chambres de l'hôtel sont. Toutes les chambres sont comme ça. Tout est fini. Juste pour mettre la toiture et puis faire les finitions. Même les fosses septiques, tout est déjà creusé. C'est nous qui avons payé quelqu'un ce matin. Après, on va brûler même. C'est aujourd'hui que les enfants ont nettoyé. Donc, après, on va brûler. Ça va sécher. Et puis, on va brûler. Ça, ce sont les chambres. Ici, non, pas encore. Vous avez l'espace de la douche qui est réservé là déjà. Ça y est là. Il y a une fosse septique ici qui est divisée en 3 parties. L'autre côté aussi, il y a aussi une fosse septique qui est aussi faite de l'autre côté. Donc vous voyez plusieurs chambres. Hein. Voilà. Donc là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce bâtiment, ça fait 7 chambres. L'autre bâtiment aussi de l'autre côté, ça fait 7 chambres. Et puis au milieu, on va compter. Au milieu, on va compter. Ici, cette chambre-là, vous pouvez l'utiliser comme la réception. Voilà, comme une salle de réception ou bien genre un mini-bar. En tout cas, ici, il y a l'espace aussi qui est là. Ça dépendra de vous. Donc au milieu aussi, vous avez des chambres qui sont ici aussi. Donc au milieu, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 chambres. Donc 7 plus 5, plus 7 encore, ça fait 14. 7, 7, 14, plus 5. C'est une histoire de 19 chambres. Avec une chambre pour la réception. Et il y a plusieurs espaces encore. Voilà, donc ça, c'est l'hôtel qui est là. Vous prenez, le lendemain, vous commencez à terminer vos travaux. On va à la construction, vous vérifiez tout. C'est sur un site approuvé. C'est au milieu même de Yamsokro, de Toumodi. Et puis c'est en bordure de la voie qui mène à Dimbokro. Et là, ça c'est le premier terrain qui est collé. C'est le terrain vierge qui est là. Ça c'est le voisin qui a fait sa villa là-bas. Ça c'est le terrain vierge qui est ici, qui était utilisé comme l'espace aux Zouglou, au niveau de Toumodi. Voilà, le voisin en train de finir, sont en train de faire leur béton de propriété. Voilà, donc même le bâtiment que vous voyez là, c'est sur l'ODP. Normalement, c'est la bonne qui est là. Voilà, donc la bonne commence ici. Et vous avez l'autre bonne qui est là-bas, sur le terrain de 600 mètres carrés ici. Et là, vous avez le goudron. Ça, c'est le bitume. C'est la grande voie qui a été même rénovée, qui va à Dimbokro. Donc, même cette fosse septique-là, c'était des choses provisoires. Ce bâtiment, c'est provisoire. C'est sur l'espace ODP. Donc, celui qui achète peut transformer ça peut-être en magasin pour mettre en location pour le moment, le temps de faire un bon projet sur son terrain. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième borne qui est là, ici. Donc, à partir de là, tout ça, c'est l'espace public. Ici, c'est une grande voie. C'est un carrefour.
voici le goudron qui est là-bas, vous voyez les motos. Donc c'est un terrain qui est au bord, mais il y a encore, ça fait près de 100 mètres. L'emprise fait près de 100 mètres. Parce que tout ce que vous voyez là, tout ça, ça a été fait, c'est des trucs provisoires, ça a été fait sur l'emprise. Donc quand vous achetez, vous pouvez exploiter tout ça déjà, c'est pour vous. Vous exploitez tout. Il y a déjà même l'eau, le compteur d'eau est là, il y a l'eau, il y a l'électricité. Il y a le compteur d'électricité qui est un peu quelque part. Mais l'eau, le compteur est déjà là. C'est le compteur d'eau qui est ici, non? Voilà, ça c'est le compteur d'eau qui est là. Voilà, vous voyez bien, c'est pas caché, hein. C'est au bord de la grande voie qui va à Dimbokro. Ça c'est le goudron. La voie est en cours de rénovation. Comme ça, c'est en allant au centre-ville de Tumodi. Et comme ça, c'est en allant à Dimbokro. Et vous voyez ça, au Zouglou. C'est ce terrain-là, ces deux terrains. C'est ça qui est mis en vente. Et en face ici, c'est une grande promotion immobilière. Voilà, c'est une cité. Plusieurs hectares, donc ça va jusqu'à dedans. Ça, c'est une grande promotion immobilière. Voilà, là-bas déjà, c'est en ville. Et là, quand vous prenez là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire, pour le terrain vide qui est là, vous pouvez modifier, faire une piscine où les gens viennent se divertir, les enfants, tout ça, avec un parking et puis l'hôtel, vous pouvez modifier. Ça dépend de votre poche. Sinon, quand vous achetez, vous pouvez acheter un seul terrain. Voilà. Ou bien vous achetez l'hôtel, ça dépend de vous. Ou bien les deux. Mais en tout cas, vous avez le prix des deux. Voilà, vous avez le prix des deux. Et puis vous avez le prix séparé. Voilà. Donc, voici l'offre exceptionnelle qu'on vient de vous présenter. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous contactez le numéro WhatsApp de Tela Free Group qui s'affiche. Et puis, vous passez au bureau. On va à la construction, vous vérifiez tout, vous achetez. Tous les frais de dossier sont à vos charges. Voilà. C'est un site approuvé, donc vous achetez, vous allez faire. Le propriétaire avait déjà engagé l'ACD. Il va renoncer et puis on va tout mettre à votre nom au niveau de la construction. C'est vous qui allez payer les frais de mutation, tout ça. Voilà. Donc le voisin, aussi une très belle villa, une grande villa. Voilà. Donc, on s'est dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique.